Allez. Alors la rédaction de Radio Occitania, c'est une véritable fourmilière. On y croise des journalistes, des stagiaires qui cohabitent et qui travaillent ensemble, mais toujours dans une atmosphère très décontractée qui m'a vraiment permis de trouver ma place et d'être très bien lors de ce stage. Mes missions chez Radio Occitania, elles consistaient premièrement à enregistrer un flash, donc tous les jours à 13h, et ensuite une émission d'1h30 tous les mercredis. C'est-à-dire que je prends des contacts, je cherche d'abord un sujet d'émission, ensuite on passe des coups de téléphone, on se rend sur le terrain pour avoir une émission la plus construite et la plus sympathique à écouter tous les mercredis sur Radio Occitania. Alors mon choix de choisir le journalisme, c'est assez comique parce que je suis vraiment une très grande fan du film Le Diable s'habille en Prada, c'est l'un de mes films préférés. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que je voulais être l'un des personnages principaux qui est en fait l'une des rédactrices en chef d'un magazine de mode. Et depuis cet instant, je me suis dit que je devais partir dans cette voie qu'est le journalisme. Outre cette anecdote, je pense que le journalisme, c'est l'un des métiers les plus importants dans notre génération. Je trouve que c'est l'un des plus beaux métiers du monde.